Melvin, match du côté des Mélèzes, forcément une saveur un peu particulière pour toi. Ouais, j'ai joué les trois dernières saisons là-bas, donc ça va être un peu spécial, mais faire avec. Voilà, la petite vengeance de Mathieu Marais, voilà, on va regarder, hein. C'est lui qui l'autre jour a pris la canne, c'était pas toi, hein. C'était Tristan Vauclair qui l'embêtait à ce moment-là. Si on revient à ce match, ouais, un peu particulier, l'objectif c'est d'aller gagner, on est surtout chez le leader après le déplacement à Guetzé, c'est vraiment différent. Ouais, écoute, bien sûr, je pense qu'ils ont fait vraiment un bon début de saison, mais je pense que nous, on s'améliore de jour en jour. On voit que si on fait les choses juste, ben, on est une équipe comme une autre, on a du talent, on a tout ce qu'il faut dans l'équipe, donc je pense que c'est pas parce qu'on va chez le premier du classement qu'il faut jouer autrement, je pense que c'est un match comme un autre, et puis voilà. Plus globalement, sur ce début de saison, quel bilan t'en tires ? Écoute, je pense que c'est un bilan positif. On a beaucoup de matchs à l'extérieur en ce moment, je pense que c'est pas toujours facile non plus d'aller jouer plein de matchs à l'extérieur. Les premiers résultats, ils étaient vraiment médiocres, on va dire, à l'extérieur. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une bonne lancée. Ça va, je pense que ça va décoller. On a vu à Guetzé qu'on peut gagner, on peut aller gagner. On a peut-être perdu un point un peu bêtement, on aurait mérité de gagner, mais on a quand même gagné le match. On a allé chercher ce goal en prolongation, ça fait du bien. Et puis sinon, mon impression personnelle, c'est que on a vraiment une équipe pour faire quelque chose de bien, je pense. On a beaucoup de joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs, dont moi par exemple, mais qui se sont bien intégrés. Moi aussi, personnellement, j'adore cette équipe, quoi. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien avec ça. À Guetzé, t'en parlais, il y a eu un problème de stérilité offensive, on va dire. Beaucoup d'occasions, pas de but marqué dans le temps réglementaire. Ça vous travaille dans la tête, les attaquants ? Ouais, bien sûr, on sait que pour un attaquant, s'il ne marque pas, c'est quand même compliqué pour la confiance et tout, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance, on les a pas mises. Comme j'ai dit avant, on a mis ce goal en prolongation, ça nous a fait du bien. Ce qu'il faut, c'est continuer. Hein, ce qui est vraiment, je dirais, on aurait du souci à se faire si on n'avait pas l'occasion. Là, on a eu quand même beaucoup d'occasions, c'est juste pas rentré. Il faut continuer à travailler chaque jour. Et je pense que d'une fois que la machine sera en route, ça va aller beaucoup mieux pour marquer des goals, quoi.